on nous a dit à l'école que voilà, votre pays sera indépendant. Il faudrait songer à voir ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et c'est comme ça que j'avais déjà collectionné des photos, coupé des magazines de mes parents, etc. Je n'avais que 22 ans. Je faisais beaucoup de photos à cette époque-là, mais je n'ai pas pu, on ne pouvait pas. On n'avait même pas l'autorisation d'aller au Champ de Mars. Et comme la princesse Alexandra avait décommandé sa visite, elle devait être l'invitée d'honneur. Et là, bon, tout était chamboulé. Papa, maman, ben, ils sont restés à l'île Maurice alors qu'on voyait l'exode. Vraiment l'exode. Et là, ça me chagrinait parce qu'on voyait les quantités de bateaux, Patrice, Australis, etc. Ben, ils partaient pour ou l'Australie ou le Canada. On parlait que l'indépendance, ça va être terrible, quoi. Ça va être comme un démon qui allait tomber sur notre tête. On a survécu. L'indépendance a été une très grande chose, évidemment. Parce qu'être indépendant, ça veut tout dire, hein. C'est avoir la liberté d'expression. Alors, nous faisons face toujours à ce fameux projet de construire la nation mauricienne. Ben, il faut des gens capables. Il faut des gens de la hauteur, par exemple, de Mahatma Gandhi, qui dit assez. Il ne faut pas dire qu'on est bleu, qu'on est rouge, bleu, blanc, rouge, ou rouge, vert, jaune, etc. Non. On est d'une seule couleur, c'est la couleur humaine. À chaque fois qu'il y a un projet, c'est le prochain régime qui va venir et qui va décapiter le projet. À chaque fois. Prenez-moi pour un fou, mais j'avais suggéré à ce que tout Mauricien qui entre dans l'eau pour faire dans la mer pour prendre un bain, il faut qu'il se lave avant. C'est symbolique. C'est pour préserver la planète. C'est pour préserver d'abord notre eau territoriale. Bon, vous pouvez en rire, ça ne fait rien, mais des fois, quand on est fou, c'est un don de Dieu, hein.